Bonjour à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture du mardi. Et aujourd'hui, avec ma guest Momo, on vous a quand même sorti des boosters assez sympathiques. Il s'agit donc aujourd'hui de boules mystères puzzle à monter. Mais franchement, je pense qu'on va s'amuser. Ouais, je pense que ça peut être très drôle. Et c'est sur le thème Frozen 2, du coup. Elles ont l'air très belles, mais je pense qu'on va rigoler pour les monter. Je sais pas ce qu'on peut vous dire de plus sur les boosters. Alors forcément, interdit au moins de 3 ans parce qu'il y a des toutes petites pièces. Il y a 27 morceaux inclus pour pouvoir faire nos petites boules, 12 boules à collectionner. Donc on espère quand même en avoir au moins 2 différentes. Ce serait bien. Voilà. Et elles font à la base 5 cm. Elles feront... En diamètre, ouais. Ouais. Et dessus, il y a écrit de 7 à 99 ans. Donc bon, on a plus de 7 ans, ça va. On y va. On devrait y arriver. Franchement, trop hâte d'ouvrir ça, et ben on change d'angle de caméra et on est parti. Hop, on est de retour par ici. Je vous montre les boosters de plus près également. Donc ce sont des Ravensburger. En général, vraiment les sphères comme ça, c'est souvent eux qui font ça. Et sinon, il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur le booster. Momo, tout à l'heure, tu me disais du coup, peut-être les formes, elles sont en métal peut-être. Ouais. Parce que ça fait un... Un bruit un peu... C'est vrai que ça fait un peu métallique. Je sais pas, peut-être que c'est en plastique, mais ouais. Où il y a une surcouche de quelque chose. Mais en tout cas, quel booster t'inspire le plus pour commencer? Allez, on va prendre celui-ci. Allez, bah vas-y, à toi l'honneur, je te laisse faire. Franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Visiblement, il y a un petit socle bleu. Enfin, à moins qu'il soit pas bleu sur tous, mais en tout cas sur l'image... Pas de fascicule. Il n'y a pas de fascicule. Non. Oh, ça va être chouette. Ça veut dire que c'est la surprise surprise. Et oui. Ouais, ouais, ils sont durs. Ah, ça doit être métallique. Oh, la qualité, mais extraordinaire. Ils sont vraiment durs. Oh, c'est ouf. Je vous laisse le code barre, le numéro. Je sais pas si ça peut vous aider à trouver ça. Le socle est en plastique. Ouais. On a un petit socle. Et je pense qu'on pose la boule dessus. Donc, visiblement, suivant le tuto, c'est tu trouves la pièce numéro 1. Et avec la petite flèche, tu la lis à la 2, et avec la petite flèche, tu lis vers la 3, et c'est tu fais une petite boucle. Alors, on va les retourner. Ah, il y a Elsa. Bah, elle est déjà bien bleue. Enfin, c'est vraiment le style de... À la recherche de la... Moi, j'ai la 2, si j'ai tu veux. J'ai la 4. J'ai la 7, la 5, la 3. Je la vois toute sauf la 1, c'est ça. Donc, la 2, elle est là. Donc, alors, ça veut dire... Là, j'ai ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'elle est en haut. Comme ça. Je pense. Ça fait comme ça, parce qu'après, comme il faut tourner... Ah oui. Je pense que c'est un truc comme ça. À moins que... Non, peut-être pas. Dans quel sens? Où il faut descendre. Donc la 1, comme ça. Voilà. La 1, la 2. Ça doit être comme ça. Donc en dessous, il doit y avoir la 3. Parce qu'il faut qu'on fasse un cercle. Parce qu'eux, ils partent de la 1, et oui, on descend avec la 2. Comme ça, donc la 2, la 3 doit être dessous. Comme ça alors. Et après, faut faire le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, c'est ça. Bah, super. Puis on va faire ce petit montage et puis on va se retrouver quand ça sera monté. Hein, parce que vraiment... Alors, sans vous spoiler, on a déjà presque terminé de monter. Enfin déjà. Tout est relatif. Il est maintenant 19h du soir. Voilà. On va pouvoir vous montrer. Je sais pas si j'arriverai à mettre les 3 d'un coup. Ah, quoique presque. Hein. Peut-être y aller comme ça. On va essayer de bien tous les enfoncer. Ouais. Bon, comme on l'a fait en plusieurs morceaux et qu'on a associé nos morceaux, le montage n'est pas fait partout pareil. Mais, franchement, alors ce n'est pas en métal finalement, mais la qualité, ça fait vraiment, on s'est dit un peu plastique d'imprimante 3D. C'est incroyable comme système. Donc on a une face avec Elsa. Et une deuxième face avec Elsa. Donc on a deux dessins. Un dessin un peu plus... ça fait un peu plus... Réaliste. Oui, voilà. Et de l'autre côté, c'est vraiment Elsa Disney, quoi. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est super sympathique à monter. Un peu compliqué. Mais... Et après, c'est à poser et voilà, quoi. C'est très chouette. Je pense que pour les prochains, vu le temps qu'on a mis, quand même, on va monter chacun le sien et voir ce qu'il en est. Comme ça, on pourra aller manger, etc. Parce que peut-être que vous aurez fait le rapprochement. On a déjà filmé une vidéo calendrier de l'avant et cette vidéo-là, vous allez la voir au mois de janvier. Donc on prend de l'avance, comme on dit. Non, franchement, c'est génial. Je vais mettre la face Disney comme ceci. C'est très beau. On pourra comparer après, en espérant pas avoir de double. Lequel t'inspire maintenant? Allez,
Allez, c'est parti. On va vraiment faire chacun le sien. J'espère vraiment qu'on n'a pas trois fois la même. Ah, j'ai absolument pas le même, moi, du coup, ça se voit. Ben, moi non plus, je pense. Les pièces sont bleues super claires. Ben, moi, elles sont... Ben, moi, elles sont blanches. Ah ouais? Ouais, moi, elles sont vraiment entièrement blanches. On dirait Sven, je pense. Ah, j'ai Mathias. J'ai le colonel Mathias. Incroyable! J'aurais jamais cru qu'il y avait ce personnage dans ce genre d'item. Ah ouais? Je pense que j'ai Sven et peut-être Christophe. Sven, ah ouais, sûr. Ouais, ouais, t'as la tête de Christophe pour sûr. Oh, incroyable, on n'a pas les mêmes en plus. Ah, oh, c'est génial. Trois boosters différents et best ouverture. C'est sûr. On est sur une ouverture top du top. Ah, moi, j'ai Colonel Mathias, moi. Et je pense pas avoir double face. J'ai Colonel Mathias, je pense pas qu'il y ait deux fois sa tête. Ah si, peut-être en deux fois sa tête. Je pense que c'est du double face, deux fois sa tête. Allez, on va monter ça. Et on va voir ce que ça donne. Là, on va rigoler. On va rigoler, chacune la sienne. Alors, visiblement, je pense que Momo était plus forte que moi en puzzle. Parce qu'elle a été plus rapide que moi tout à l'heure. C'est pas gagné à ce que... Je pense que si Momo, elle a fini un quart d'heure avant moi, ça, on saura quoi. Non, mais j'ai compris le système. T'as compris le système? Ouais, ouais. Comment, t'as l'air sûre de toi? Ouais, on fait genre et on verra à la fin. Et je pense que là, en les faisant une par une, comparé à ce qu'on a fait tout à l'heure, on arrivera à les mettre plus facilement, plus facilement et plus uniformément. Ouais. Parce qu'on les a pas enfoncés de la même façon. Allez, c'est parti. Maintenant, il faut réfléchir. C'est un 6 ou un 9? 6 ou 9? 6. T'as le point normalement qui te le signifie, le 9. Ah oui, effectivement. On démarre bien. Bon, c'est quoi les deux blancs? Oh, ça détend. C'est incroyable, ce truc. Tu les as pris où? Sur Vinted, mais ça, apparemment, on pouvait en trouver comment ça s'appelle? En marchand de journaux. D'accord. Parce que, en fait, je suis abonnée à une personne qui doit tenir un marchand de journaux, quoi. Ouais. Et qui, en fait, quand il n'arrive pas tout à vendre, j'ai l'impression qu'il met ses articles sur Vinted parfois. D'accord. Du coup, de temps en temps, je suis là, je fais « Ah, moi, je prends ça ». Genre, je lui ai acheté j'ai acheté déjà des boosters Pokémon. J'ai acheté plein de boosters de plein de trucs sur ce Vinted-là. C'est vraiment, je crois que c'est un couple qui tient un magasin de journaux et qui est... Et les non-vendus. Ouais, les non-vendus. Quand il en reste quelques-uns, il les revend. Ouais, les dernières pièces sont sur Vinted. Ouais, ça peut être intéressant, ça. Ben, c'est plus facile de faire comme ça. Ouais, c'est plus facile d'y aller dans le bon sens. Là, je suis déjà arrivée à presque la moitié. Et on voit vraiment le Sven plus réaliste et le Sven du Disney. C'est vraiment super sympa. J'étais arrivée au 15. Effectivement, je suis qu'au 11, donc c'est bon, on a compris que... Ouais, mais moi, je les ai rangés pour pouvoir les faire plus rapidement. Comme quand tu commences un Pulse, tu fais d'abord tous les contrôles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait que je me rachète des Pulse encadrés et tout, parce que c'est beau une fois terminé. C'est clair. Encadré, ça peut être super sympa. Donc, je crois que j'aurais pas laissé la patience toute seule, en fait. Ça peut aussi, ouais. Il y en a des trop beaux, ceux de Minalima de Harry Potter. Ils sont magnifiques. Ah ouais. Shop Disney, ils en ont sorti aussi. Ah ouais. Bah, ils avaient sorti sur les attractions, ils avaient fait Phantom Manor et tout, là, ils avaient fait des portraits. C'est ce que j'ai offert à Jen pour son anniversaire. J'ai vu, ils oui. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je sais plus quelle youtubeuse qui les a fait. Pixie Tubeuse, elle les a fait, ouais. Elle les a fait, ils sont vrais, ils sont magnifiques. Ouais, du coup, moi, je les ai offerts à Jen. Ils en ont fait 15 sur les 4, parce qu'en fait, ils sont super grands, quoi. Oui, ils ont l'air très très... C'en est 4 de 1000 pièces, donc... Ou je sais plus combien, mais c'est un truc de fou. Ouais, il faut avoir de la patience en plus. Je vous spoil pas. Je ça. Là, j'avais dit, Momo était plus forte que moi en puzzle. Et reviens. Je pense que c'est leur spécificité, genre une face spéciale Disney et une face décorée. Non, mais c'est vraiment... Genre un autre. Je connaissais vraiment pas ces items-là. C'est vraiment trop bien. Il y en a en calendrier de l'Avent aussi. Oui. Je pense que l'année prochaine, je me prends un truc comme ça. Je sais qu'il y a le calendrier de l'Avent Pokémon qui est comme ça. Ouais, en fait, je crois sais pas si les Disney... Aux États-Unis. Oui.
Comme d'habitude. J'ai trop hésité de te ramener un calendrier de l'Avent Reine des Neiges. Mais c'était que de la petite papeterie, mais tu sais, pour les enfants, vraiment des choses très enfantins. Alors je dis, j'ai la pauvre Manon, si je lui ramène ça, elle va rigoler. Hop, moi aussi, je vous spoil pas, on va pouvoir les retourner. Franchement, trois, il pète de double, c'est incroyable. Donc on a un premier petit Sven et un premier petit Colonel Mathias. Franchement, très sympa. Du coup, je vais regarder la tienne de plus près aussi. Elle est super cute, très très cute. Et après, ouais, vraiment, ça doit être leur spécificité. Mmh. On a un Sven qui fait vraiment tête Disney. Et là, il est de plus, il est en plus gros, enfin plus en plan plus large. Mmh. Donc entièrement. Donc vraiment pas mal. Et pour notre Colonel Mathias, si je vérifie la mise au point, ce serait pas mal. Franchement, il est sympa. C'est un personnage que du coup on voit pas beaucoup sur les items, donc ça fait plutôt plaisir. Franchement, nickel. En item Reine des Neiges 2, je me suis recommandé quand même trois boosters. Oui, par ouverture de 3. 3 boosters de Mystery Mini qu'on a ouvert en 2019. Oh punaise. Il y a bien longtemps. Il y a bien, bien longtemps. À la même période que notre anecdote du McDo. C'était à peu près la même chose. Hein. C'était peut-être même le même week-end. Donc, c'est ce que j'allais dire. C'était le même week-end. Au bord de la Vienne, c'est possible. Je vous mets la vidéo calendrier de l'Avent dans le petit i parce qu'on en fait vachement référence vu qu'on filme le même jour. Et d'ailleurs, vous verrez pourquoi j'étais blessée à ce doigt. Franchement, ouais. Et du coup, on arrive à mieux lisser les bords et tout ça. Mm. Franchement, c'est super sympa. Et en fait, avec les socks, c'est censé tenir sur une étagère et voilà quoi. Incroyable. Trop mignon. Hop, je voulais mettre plus près pour pouvoir faire la conclusion. On était en train de se faire un petit débrief hors caméra. Il y en a 12 à collectionner. Et on essayait d'imaginer peut-être les boules qu'il pourrait y avoir. Donc on a cité Olaf, Christophe, Anna. Peut-être Anna et Elsa ensemble. Peut-être même le groupe Anna, Elsa, Christophe. Tous, et ouais. Les 4 sur l'affiche. Peut-être un Sven Christophe, vu que voilà. Après, est-ce qu'ils auraient pu imaginer même le géant de pierre, etc. On ne sait pas. Mm. On ne sait pas, peut-être. Ou d'autres personnages aussi de la forêt enchantée. Je sais pas. Franchement, ça serait super intéressant d'en ouvrir d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'essaye d'en chercher d'autres. Parce que vraiment, comme j'ai eu un petit peu de mal à les trouver, peut-être qu'on pourrait essayer d'en trouver d'autres. Parce que ça, c'est super intéressant à ouvrir. Moi, en tout cas, j'adore. J'ai adoré monter ça. C'est super rigolo. Mm. Malgré mon piètre talent en puzzle, visiblement. Mais voilà. Sur ce, il va nous rester à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Et voilà. Ciao, ciao.